J'ai des gens qui c'est monde que au CNH t'es fait choix de lui dans l'élection que t'es fait dans date 26 août 2024 là pour t'aller représenter secteur droit monde dans le conseil électoral provisoire pas fait partie de personnalité ça qui est inscrit dans arrêté qui pour la suite pour le sortir. Pour nous-mêmes au niveau de POHDH, nous pensons que c'était important pour que nous t'ai partagé avec l'opinion publique la raison qui fait que nous décider de rejeter l'élection ça que au CNH t'es réalisé dans date 26 août 2024 là. D'abord, il faut que nous disions que depuis le commencement du processus qui était doué déboucher sous désignation de monde pour représenter le secteur de l'homme au niveau du CEPA, tu as toujours gagné des grosses difficultés entre POHDH avec OCNH, qui sont deux organisations que le Conseil présidentiel de transition a choisi pour mener le processus. Là. Et les difficultés, eh bien, ils étaient basés sur les critères d'éligibilité avec critères participation organisation dans le processus là que nous pas ka joindre entente sur yo té gagné tout des difficultés tout pour nous joindre un terrain d'entente sous modalité traitement donné yo et surtout sous des règlements pour journée scrutin pour journée vote là gagné 135 organisations 135 structures qui étaient inscrites et parmi yo au CNH validé 107 ça veut dire les 107 ça yo autorisé ou yo voté c'est des organisations qui validaient et nous remettre à la presse liste organisations au CNH validé yo. Pour toute raison ça organisation femmes qui participent et qui pas concernées organisation la presse qui participe, organisation qui pas répondre à critère 3 ans et vérification mission à adresse organisation qui pas faite au niveau de POHDH, nous rejeté et sélection GDO Jean, nous rejeté élection ça et nous quoi processus ça et li pas crédible donc nous rejeté pour toute raison ça et nous fait pas de ACPTA de ça.